beaucoup, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle aventure. Nous sommes donc au Japon, plus exactement du côté de Kyoto. J'allais dire Tokyo, mais non, du côté de Kyoto. Et alors ici, nous allons commencer cette première journée dans le parc de Nara. Voilà, donc Nara, c'est une ville qui n'est pas très loin de Kyoto. Donc on a pris le train ce matin, comme vous avez pu le voir avant. Et donc, on va visiter plusieurs temples. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plein de biches un peu partout. Et voilà, donc là, on va visiter les temples, comme je vous disais. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à Nara, c'est que c'est une ville quand même qui est très riche d'un point de vue historique, puisque c'est la première capitale du Japon. Donc c'était la première capitale du Japon avant que Tokyo, Kyoto, etc. Soient capitales. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment plein de temples super intéressants. C'est vraiment une ville, on va dire, c'est un peu le berceau, on va dire, historique, artistique du Japon. Donc voilà, c'est parti pour la découverte de Nara. On continue la visite. Alors aujourd'hui, on passe la journée avec Anna. Konnichiwa. Konnichiwa. Todaiji Temple. Todaiji. Todaiji. How did you say thank you? Arigato. 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 Arigato, Anna-san. Hi, Anna-san. Thank you. Comment on dit les filles? Arigato. Arigato gozaimasu. Thank you. You tell me the Japanese. Ichigo. Very sweet. Ichigo. 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 Okay. Bismillah. How do you say in Japanese delicious? Oichi. 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 C'est bon les filles? Okay, slowly. Thank you.
Tenara. Enfin, on n'a pas tout visité parce qu'il y a tellement de temples, il y a tellement de choses à visiter, mais on a fait quand même une bonne partie. Donc là, on va aller manger. On est en train de chercher un restaurant halal. Donc on va aller manger du ramen. Ce qui est sympa, en fait, c'est que là, on est en train de se perdre dans des petites rues et elles sont juste trop charmantes. Ça fait vraiment penser aux mangas, quoi, les petites rues qu'on voit dans les mangas. Et voilà, c'est super. Halal ramen, Namarashi, Jinia. Yeah, let's go. Let's go, let's go, let's go. Bismillah. Wanna eat what? Non, oui. Non, konnichiwa c'est bonjour, donc on dit arigato pour dire merci. Arigato. Quoi? Thank you. Alors, les filles? Ok, this one is for you. Hey, sorry, it's a little bitter. Ah, arigato. Coucou, donc voilà, on est toujours à Nara, on a terminé les visites et donc là on va goûter des gâteaux. It's a cake? Is it a biscuit? Cake. Slice cake. Ok. Japanese mochi. Oh, this one is halal, you tell me. Yes, halal. Let's go. Ok, on va goûter. C'est pas pour moi. C'est vraiment une texture bizarre. C'est vraiment, on dirait, je sais pas, on dirait du caoutchouc. Et à l'intérieur, l'intérieur ça va, c'est bon. C'est quoi l'intérieur? Ah, à l'intérieur c'est des haricots rouges, donc ça va à l'intérieur. Mais au fait, c'est la pâte qui est autour que j'avais pas trop aimé. Donc voilà, mais au moins c'est fait. On a goûté. Coucou, donc voilà, la journée est terminée. Donc là, on a pris le train en direction de Kyoto, donc on rentre à Kyoto. Donc Nara, c'était vraiment une chouette journée, c'était sympa. Normalement ils avaient prévu de la pluie l'après-midi, finalement il n'a pas plu, il a fait super bon. Donc c'était quand même beaucoup de temples à visiter, mais vraiment c'était sympa, surtout en compagnie donc de Anna que vous avez vu donc au début de la vidéo, qui est japonaise et qui vit justement à Nara. Donc voilà, on la reverra certainement demain, puisque demain on a rendez-vous à Osaka. Je vous donne rendez-vous à Osaka. N'hésitez pas à aller voir mon blog pour plus d'informations par rapport au site qu'on a vu, etc. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain à Osaka. Bye bye.